Merci bana Congo démocratique Balandia Magazine wa Basango tozali na province ya Okatanga précisément na ville ya Lubumbashi et sikawapi le coordonnateur pays initiateur ya alliance de soutien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo monsieur Jean-Pierre Mutombo Tshisekedi ya utibongo kosolola na directeur ya cabinet ya gouverneur ya Okatanga mona mboka Jacques Kabula wazali bongo na déplacement masolo na bango le kikitoko parce que lobby semble les installation pay inauguration à siège à alliance de soutien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bino bolanda kibiso to plaque sabino moi interview ya coordonnateur non ya directeur de cabinet ya vice du ya gouverneur ya Okatanga à sepeli na alliance oyo ezali ko soutenir chef de l'état parce que bango pe bazali wana derrière les chefs bino bolanda kibiso botikra mala mon mandat na bino au revoir. Alors, monsieur le coordonnateur national qui conduisait une équipe de 4 personnes, de 5 personnes, est venu présenter les civilités à l'autorité provinciale qui est empêchée par d'autres devoirs de la province. Et j'ai eu le privilège de recevoir en son nom le coordonnateur national qui est venu annoncer à l'autorité provinciale la sortie officielle de Asofati Katanga demain, samedi 26 octobre 2019. Quoi de plus normal que son Excellence Monsieur le Gouverneur du Katanga apprécie à juste titre la vision de l'association parce qu'elle entre dans sa propre vision. Monsieur le gouverneur, monsieur, son Excellence Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga représente le chef de l'État en province et ne peut être que satisfait de savoir et d'apprendre qu'il y a des associations qui accompagnent les idées forces du chef de l'État. Lui-même, le gouverneur, est en train d'accompagner ces idées forces du chef de l'État qui veut mettre l'homme au centre du développement. Donc je pense que sans qu'il ne me souffle un mot, je pourrais vous dire que le gouverneur ne peut être que satisfait d'apprendre qu'il y a des organisations qui s'intéressent aux activités que pose le chef de l'État. Le sérieux, le vrai accompagnement, la bonne expertise, parce que le chef annonce et lorsqu'il se passe un moment qu'il n'y ait pas de suivi, le peuple a l'impression que le chef n'a pas travaillé. S'il y a des structures qui peuvent réveiller à chaque fois que de besoin ce projet du chef de l'État, qui sont relayés par le gouverneur de province, je pense que ces associations seront cotées à première vue par l'autorité provinciale et ensuite par le président de la République lui-même. Donc ça serait pour le gouverneur une précieuse chose d'apprendre que l'association est restée dans la ligne droite des activités socio-humanitaires du chef de l'État.